Salut tout le monde, c'est Christopher Williams. Aujourd'hui, je t'invite à vivre de la magie parce qu'on est live à la parade du Père Noël. Est-ce que vous écoutez de la musique dans vos écouteurs poilus? Non. C'est hot pareil ici, vous êtes fait une loge avec une poubelle? Oui, on est confortable. Alors, t'es secouriste dans une parade de Père Noël? Oui. T'es déjà vu comme un enfant qui s'est foulé le poignet comme en envoyant trois à main au Père Noël? Non, ça n'est pas arrivé, mais on sait jamais. C'est la reine des neiges? Je pense qu'aujourd'hui, elle est plus la reine de l'asphalte. Est-ce que ça se peut, ça? Ça se déroule toujours bien, une parade du Père Noël? Toujours. C'est pas comme la parade de la Coupe Stanley? Non. Y a pas d'enfants qui peuvent décider de lancer un biscuit d'une vitre là, puis partir une chicane? Non, je penserais pas. T'as pas écrit ta lettre? Non. Okay. Ben, tu peux y envoyer juste un petit Facebook rapide, là, comme il est technologie, le Père Noël. D'accord. Qu'est-ce que tu penses du projet l'année prochaine de combiner trois parades ensemble? La Saint-Patrick, la parade gay et la parade du Père Noël? Beau projet ambitieux, ça serait bien. C'est des petits lutins en G-string, ça brosse, c'est hot. Oui, ce serait super ça. Est-ce que tu connais des chansons de Noël? Oui. Chante-moi en une. Voici de Noël. Wow, hein, la voix junior, d'après moi, s'ils sont à l'écoute, on recrute. Là. Fais-moi donc une chanson de Pâques. Ouais, si vous recherchez la chanson sur Google, Viva Va, hein? V-I-V-E-V-A. Dans le dossier du petit Renault Rouge, tu sais qu'on sait qu'il aime ça prendre un petit coup. Mm-hmm. Tu lui fais souffler dans la ballon avant d'y donner la responsabilité du traîneau? Ou... Ouais. Là, c'est parce que t'as envoyé chier tout le monde en arrière. Là. C'est pas fin, ça. Colombie. Tu viens de Colombie? Ouais. C'est quoi ton prénom? Emmanuel, mais tu peux m'appeler Manu. Manu Escobar? Hum? Est-ce que t'as été gentil cette année? De temps en temps avec mon frère. De temps en temps? Fait que c'est comme t'as été à demi-gentil? Ouais. Tu vas avoir un demi-cadeau, c'est correct. As-tu hâte de voir le Père Noël? Oui. Tu vas t'y envoyer la main quand tu vas le voir? Oui. Tu y vas-tu comme avec un genre de petite main molle de même ou plus comme brossé comme ça sur le côté? Brossé comme ça. Monte donc la démonstration. Ah, tu l'as bien. Est-ce que tu as hâte de l'entendre rire au loin comme... Oui. Pourquoi il rit tout le temps, le Père Noël? Je sais pas, mais c'est vraiment drôle. Parce que je pense qu'il mange des biscuits, mais c'est des biscuits jamaïcains. Et c'est vrai ça. Cool, ton look de cadeau. Ah, ben merci. Peux-tu te brasser pour voir ce qu'il y a dedans? Elle sait c'est quoi. T'es-tu une vraie lutin? Ouais. Ouais. T'as pas peur que Mike Ward fasse des jokes sur tes oreilles? Non. Le 2 de pique, c'était-tu le dernier costume qu'ils ont fait tirer dans la gang? Ben, là que oui. Walter White de Breaking Bad qui est dans la parade. C'est possible de me ramener à mon Noël de 1988? Ben, y a pas de problème, mon chum. J'ai reçu des Barbies en cadeau, puis je trouvais pas ça super hétéro. Ah! Joyeux Noël en T-Rex, sais-tu comment qu'on le dit? Non. Ça allait bien, hein? Ouais, c'est bon. Alors, la frénésie, c'est maintenant. C'est la rockstar. Je t'ai amené mon biscuit! Vous êtes les gardes du corps personnel du Père Noël? Oui, exactement. Y a-tu bien des groupies qui essayent de faire une caresse ou de l'agripper? Non, ça va super bien aujourd'hui. Ça va bien aujourd'hui? Il me reconnaît! En 88, au centre d'achat à Grignon! Je t'ai déjà vu embrasser ma mère, petite maman! T'es mon père! Je t'aime, Père Noël!